Mon vrai nom, c'est Mireille Grosse, mais j'ai préféré Mireille d'Arc. Mon père est suisse, il est horticulteur. Je suis née à Toulon il y a 29 ans. En ce moment, je fais du cinéma. Je suis heureuse. Mon enfance n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Mon père était horticulteur. J'ai eu une enfance, disons, pauvre, même très pauvre. Ma mère m'a eu presque, je sais pas, vers 45, 46 ans. Je me souviens plus exactement. Je sais même pas l'âge de ma mère. Enfin, je veux dire que c'était presque, enfin, c'est peut-être méchant de dire ça, mais presque des grands-parents. J'ai eu de la chance finalement que mes parents ne se sont pas beaucoup intéressés à moi et que j'ai fait exactement ce que je voulais. Je veux dire que j'ai été libre à 14 ans, si je rentrais à 10h, 11h, minuit. Je veux dire, ça n'a jamais fait de scandale. J'ai fait exactement les études que j'ai voulu. Bien, j'ai fait des études secondaires, j'ai été jusqu'à mes bachots. Au début, j'avais rien à perdre, j'avais tout à gagner. Mais j'ai été au conservatoire presque faire de l'art dramatique pour avoir des textes à dire, pour avoir d'autres personnages à interpréter que moi-même, pour justement jouer des jeunes amoureuses, des jeunes premières. Ne pas être moi et en même temps, si vous voulez, pouvoir donner quelque chose de moi-même. Ça a duré 6 ou 7 mois. Et après, j'ai fait de la télévision. Mais ça, c'était... Bon, dès que j'ai commencé à faire de la télévision, ça a été fini. Je veux dire, je ne me suis plus arrêtée de travailler. En 10 ans, vous avez fait combien de films? Une vingtaine, à peu près. Votre meilleur rôle, votre meilleur personnage? C'était Galia. C'était Galia parce que je crois que... On l'avait écrit sur mesure. Je veux dire que moi-même, j'y avais beaucoup participé. J'y ai beaucoup écrit aussi. Je me suis fait une tête, j'étais brune, j'étais triste, je suis blonde, je me sens gay. J'avais un physique assez ingrat, j'étais grande, maigre, brune, noire même. Et je ressemblais un peu à un chat écorché. Et puis, je veux dire qu'en plus, j'avais pas eu spécialement beaucoup de succès auprès des garçons à Toulon. Il y avait toute une mythologie de la femme qui a été faite par Brigitte, du reste, en partie, qui était une femme, disons, libre, mais qui n'était pas complètement libre. C'est-à-dire que quand Brigitte interprétait des rôles, mettons, à l'écran, c'était toujours une fille libre, mais elle était ou entretenue, elle n'était jamais indépendante, elle n'était jamais vraiment libre. Et moi, j'avais envie de représenter une fille qui était libre, mais qui était responsable d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle travaillait, elle ne dépendait de personne, ni d'une société, ni d'un homme, ni d'une morale, ni d'une religion. Et c'est ça qui m'intéressait de représenter auprès des jeunes.
J'aime beaucoup la vitesse. J'ai une Porsche, je roule assez vite et j'aime ça, enfin. J'adore la chaleur, le soleil, la mer, des contractions. Je vais beaucoup au soleil par nécessité, pour voir des gens, pour suivre garçon avec qui je suis, pour passer 48 heures. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie? Qu'est-ce que j'aime le plus? L'homme qui est dans ma vie, c'est tout. Je crois que c'est ça pour moi qui est le plus important. Je suis heureuse en ce moment. J'ai la célébrité, j'ai la jeunesse. J'ai des gens autour de moi que j'aime et qui me donnent intellectuellement beaucoup de joie. Il y a quand même des destins assez faciles, et le mien est assez facile. On aime plaire, on aime faire du cinéma, on aime se montrer, on cherche le jugement à longueur de temps quand on fait ce métier. Donc ça fait partie d'un ensemble. Mais c'est pas... Enfin, je veux dire que c'est pas une chose comme ça. Je sors pas en disant « Oh, j'espère qu'on va me regarder » ou « J'espère qu'on va me reconnaître ». Non, pas du tout. Est-ce que c'est agréable d'être une vedette? Oui, si on n'en est pas esclave. Et vous n'en êtes pas esclave? Non, pas du tout. Je veux dire que demain, je peux arrêter de faire du cinéma. Et est-ce que c'est désagréable aussi? Ça dépend, enfin. Je veux dire que quand on n'est pas capable d'assumer sa responsabilité de vedette, il y a des soirs où je ne me sens pas physiquement. Physiquement, enfin, je ne pourrais pas accepter qu'on me parle ou qu'on m'approche. Ben, ce soir-là, il ne faut pas sortir. Il faut savoir que si je sors, on va me regarder, on peut me parler, on peut venir m'aborder. Il faut que je puisse l'accepter. Si je ne peux pas l'accepter, il faut que je reste chez moi. Et on vous aborde souvent? Ça m'arrive, oui, pas mal. Ça m'arrive assez souvent, non? C'est la voiture dans... Je suis rarement sympathique aux femmes, ou alors elles m'adorent, ou alors elles me détestent. Mais enfin, disons que dans l'ensemble, elles ont vu en moi une ennemie parce qu'elles se sont dit « c'est une fille qui est libre ». C'était un peu de ma faute parce que je me suis un peu identifiée à ce personnage et que la presse s'en est servie. Cela dit, moi, ce que je suis au fond de moi-même, c'est peut-être quelque chose de complètement différent. Parce que j'ai peut-être une morale, mais ça m'intéressait à cette époque-là de faire penser aux gens que j'en avais pas. Si vous sentez que j'ai un style, donc c'est que j'en ai un. Mais moi, je veux dire que je suis bien comme je suis. J'aime me tenir comme je me tiens et j'aime bouger comme je bouge. Je veux dire, c'est pas fabriqué consciemment. Donc si ça correspond à quelque chose, c'est un style. Autrement, je n'essaie pas de copier quelqu'un.
Donc ça peut être un style, mais ça, j'en suis pas tellement consciente de ça.